Bonjour. Voilà, je suis avec vous après le raté de vendredi où j'ai voulu traiter le Venezuela. Et puis il y a eu des problèmes techniques. C'est des bugs liés au programme que je maîtrise pas tout à fait. Euh, mais c'est très important d'annoncer qu'est-ce qui se prépare contre le Venezuela et de vous aider à en parler autour de vous pour empêcher la guerre qui se prépare contre ce pays. Euh, je fais l'émission euh, pas en direct pour une fois, parce que je pars lundi et mardi à Genève pour un débat avec Saïd Boumama, euh, l'auteur du fameux manuel stratégique de l'Afrique, avis à tous les amis suisses et français de la région pour venir nous retrouver. Donc pour une fois, je ne le fais pas en direct. Et euh, on va le placer sur YouTube le plus vite possible, parce que je crois que vraiment les États-Unis menacent le Venezuela. C'est important. Euh, ce que je disais c'est que l'important dans la couverture médiatique d'événements comme ça c'est de bien voir ce qu'ils ne disent pas il y a tout un théâtre il y a un cinéma il y a des choses qui mettent en avant des images mais c'est surtout le non dit le caché c'est ça qu'il faut repérer on va le faire et on va repérer les nouveaux trucs parce que les États-Unis se perfectionnent tout le temps dans leur propagande les nouveaux trucs euh, servant à manipuler l'opinion publique ce qu'on va voir aujourd'hui c'est euh, les États-Unis disent qu'ils veulent du bien au Venezuela, mais pendant une centaine d'années, ils l'ont déjà contrôlé. Donc, comment ça se passait Qui est ce fameux Guaido Est-ce que vraiment Trump veut apporter la démocratie au, au Venezuela ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose Pétrole, par hasard euh, On nous dit, euh, Maduro, c'est un dictateur, il y a tout un peu contre lui. On va voir qu'en réalité, il a été élu, il y a des observateurs internationaux, c'est des élections euh, probablement les plus propres du monde. On va surtout analyser... Bon, c'est la crise économique au Venezuela. Il ne faut pas le cacher. Mais la question, c'est qui la provoque Est-ce que c'est Maduro ou est-ce que c'est les gens qui veulent le renverser Et là, on a beaucoup de choses à apprendre du passé, mais aussi des propres déclarations de dirigeants des États-Unis contre Maduro, contre le VE Chavez en général. Et enfin, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir, les médias mensonges, la manière dont on va essayer de tromper l'opinion publique à nouveau. Et c'est là que vous avez un rôle important et le rôle de Macron en euh, marionnette, euh, en paillasson de Donald Trump. Alors, je disais, les États-Unis ont déjà euh, géré les États-Unis, le Venezuela, pardon, et comment ça se passe Il y a un livre absolument splendide que je vous recommande, Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, il y a déjà 40 ans. Il montre comment, euh, depuis 5 siècles, l'Amérique latine a été appauvri, pillé, volé, opprimé par les puissances d'abord européennes et puis les États-Unis. Et dans le cas du Venezuela, il a cette phrase absolument excellente. Le pétrole, la richesse naturelle du Venezuela et d'autres pays latino-américains, source d'agression et de pillage organisé, est devenu le principal instrument de leur esclavage politique et de leur dégradation sociale. Ça, c'est fondamental. C'est quelque chose qui m'a inspiré dans le livre que j'ai écrit en 2009, Les Sept Péchés d'Hugo Chavez, actualisant Galeano et essayant d'expliquer aujourd'hui comment ça se passait, le pillage du continent, et pourquoi Chavez était vraiment le diable, puisque lui, il voulait changer les règles du jeu, il voulait que le pétrole, ça serve aux pauvres et pas aux riches et multinationales. Bien. Les États-Unis contrôlaient le Venezuela pendant 100 ans, j'ai dit, et ça se passait comment ben ça, je l'ai vu sur place quand je suis allé à Caracas euh, et tout le monde peut faire la même expérience. Je suis allé notamment dans les premières années de Chavez. Vous avez des euh, villas, c'est des véritables palais, euh, c'est énorme avec des piscines, des Ferrari comme si ça pleuvait, euh, des murs, des grillages, des caméras, des gardes et ça c'est juste la résidence à Caracas. En réalité, il vit la plupart du temps en Floride, etc. Et à côté de ça, vous aviez une misère épouvantable, des gens qui vivaient dans des bidonvilles, mais vous n'imaginez pas, avec des rats qui circulent entre des berceaux, pas d'eau, pas d'égout, vraiment des millions de gens, à côté du pétrole, vivant dans la pauvreté. C'est ça que tu avais à, à voulu changer, c'est ça qu'on ne lui pardonne pas. En 1989, un président PS, Carlos Andrés Pérez, a pris des mesures épouvantables d'augmenter le niveau de vie du jour au lendemain. Il y a eu des grandes manifestations à Caracas. Il a fait tirer sur la foule. Il a pourchassé les, euh, les, les manifestants dans les maisons. On a tué, selon les organisations des droits de l'homme, près de 3000 victimes qui ont été enterrées discrètement. Les médias n'en ont pas parlé. Ça, c'était les États-Unis quand ils gouvernaient le Venezuela. Bien. Euh, maintenant, on nous dit... Euh, c'est pour des raisons humanitaires qu'on veut aller au Venezuela, c'est pour aider les pauvres Vénézuéliens. Allez, c'est une chanson qu'on a déjà vue en Irak, qu'on a déjà vue en Libye, en Syrie, et on voit les conséquences pour les populations. Il y avait des problèmes, ok, il n'y avait pas beaucoup de liberté, ok, mais en attendant, tout est pire avec les interventions des États-Unis. Ils ne sont pas la solution, ils sont le problème, ils sont la cause fondamentale. Alors, quand on voit euh, le Nouvel Ops ici, qui nous dit, mais vous pouvez prendre tous les médias français, c'est la même chose. Le jeune Juan Guaido fait rêver le peuple qui manifeste en masse pour le soutenir. Mais parviendra-t-il à faire tomber ce régime chaviste qui a détruit le pays Voilà. On est en plein dans la propagande, typiquement médias français et internationaux. Mais si on veut comprendre ce qui se passe vraiment aux États-Unis contre le Venezuela, il faut en fait écouter ici. Les dirigeants eux-mêmes des États-Unis, ça c'est ce que j'appelle euh, l'axe du mal, les trois ténors de la politique US aujourd'hui. Vous avez à gauche Elliot Abrams, là les mains croisées, c'est l'envoyé spécial des États-Unis au Venezuela. C'est un bandit, c'est un gangster. <tousse> euh, il a euh, dirigé, soutenu, organisé. Les politiques d'escadron de la mort et les politiques de répression des gouvernements d'Amérique centrale, par exemple, il a appuyé Rios Montt, dictateur du Guatemala dans les années 80, qui a commis un génocide contre la population indienne. C'est un criminel de guerre. Au mieux, euh, cravate bleue, vous avez Pompeo. Et Pompeo, nouveau ministre de, de, de Trump, euh, lui, il vient déclarer il y a deux jours que on avait trouvé des milices du hezbollah au venezuela. vous voyez, c'est n'importe quoi pour euh, diaboliser et préparer l'opinion. mais le plus dangereux, sans doute, c'est le type avec euh, sa moustache et ses lunettes là, euh, john bolton, conseiller national de sécurité au venezuela. bolton, il a euh, déclaré ceci. nous regardons les sources pétrolières. C'est la plus importante source de revenus du gouvernement vénézuélien. Nous examinons ce que nous pouvons en faire. Cela ferait – je cite –« une grande différence économique pour les États-Unis si nous pouvions laisser les compagnies pétrolières états investir et produire dans le pro euh, pét potentiel pétrolier du Venezuela ». Voilà. Là, c'est clair. C'est pour le pétrole. It's the old stupid. Et pourquoi on ne trouve pas ça dans les médias français, belges et compagnie Pardon. Donc... Bolton il le dit clairement et si on veut savoir qui est Bolton et quelle est sa philosophie bah ben, j'ai une autre citation magnifique de lui il a déclaré à propos de l'ONU une chose comme les Nations Unies ça n'existe pas il y a une communauté internationale qui de temps en temps peut être dirigée par le vrai pouvoir dans le monde c'est-à-dire les États-Unis à condition que ce soit dans notre intérêt et que nous puissions convaincre les autres à nous suivre donc on est clairement dans euh, la dictature des États-Unis sur le monde entier. Il n'y a rien d'humanitaire là-dedans. Encore une petite de euh, Bolton euh, pour vous montrer un peu euh, le genre de bonhomme qu'on a. Bolton, c'est un vrai gangster. Dans le livre USA, les 100 pires citations que je viens de publier pour vous aider justement à répondre aux accusations de complotisme, je donne dans ce livre la parole entièrement, uniquement aux dirigeants des États-Unis, présidents, ministres, stratèges, généraux. Et Bolton, qui était un ministre de Bush père à l'époque, a déclaré... Euh, il y avait des, euh, des inspections. Euh, le, le prétexte était qu'il y avait des armes chimiques et des armes de destruction massive en Irak. Il y avait des inspecteurs internationaux de l'ONU qui disaient « Mais non, ça n'existe pas. On a fait des inspections. Tout a été éliminé. Bien ». Et Bolton, un jour, va visiter José Bustani, qui dirigeait l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Bolton Écoutez bien. Chenny veut que vous partiez. Vous avez 24 heures pour quitter l'organisation, quitter New York. Et si vous ne vous conformez pas à notre décision, nous avons, je cite, des moyens de vous le faire payer. Nous savons où vivent vos enfants. Vous avez deux fils à New York. Ça, c'est Bolton. Un gangster. Et dans nos médias européens, on ne parle pas de ça. On cache que c'est pour le pétrole. On cache que c'est un criminel. On cache les crimes précédents. Et on fait comme si le problème c'était Maduro. Non, le problème c'est Bolton, c'est Trump, ce sont ces crapules. Bien. On nous dit maintenant, Guaido, ça c'est magnifique, euh, c'est c'est euh, l'homme nouveau. En réalité. Ce on, et on nous dit qu'il est soutenu par tout le peuple, Maduro est lâché, tout le monde n'en veut plus, on doit partir. Ça, c'est bidon. Regardez, vous avez ici des photos de manifestations. Alors vous allez dire, ah oui, il y a beaucoup de monde. C'est une manifestation pour Chavez. Jamais vous allez voir ces photos à la télé et dans les médias occidentaux. Alors qu'il y a des manifestations énormes, beaucoup plus importantes que celles pour Guaido. Vous avez euh, vraiment des manifestations très, très importantes. Ici, encore des images. Bien. Et ce qu'on ne nous montre pas à propos de Guaido, c'est qu'en réalité, c'est vraiment l'agent des États-Unis. Regardez la manifestation de Guaido ici. On, rend, on enlève le drapeau vénézuélien et on hisse le drapeau des États-Unis. Regardez celle-ci également. Voilà. Euh, l'idéal de cette opposition, c'est que Washington prenne le contrôle du Venezuela, où vous avez encore celle-ci, et Israël joue un rôle très important. Il faut réfléchir pourquoi. Regardez, ça, c'est une mobilisation euh, de l'opposition, une mobilisation pour Guaido, et vous avez le drapeau israélien derrière. Il faut réfléchir pourquoi. En voilà encore. Allez, Trump, l'idéal de l'opposition vénézuélienne. On sait quand même qu'est-ce que c'est Trump, qu'est-ce qu'il vaut, et franchement, c'est une opposition adore, une opposition qui vend son pays à l'étranger. Voilà. Euh, en réalité, c'est pas euh, pour la démocratie. Il faut remarquer que les seuls pays où Trump s'occupe de la démocratie, c'est Cuba, chez l'Iran, c'est le Venezuela. Si vraiment la démocratie le préoccupe, il devrait s'occuper ben, de la Colombie. Là, depuis qu'il y a un accord de paix qui a été signé avec la guérilla, une démobilisation... On a assassiné environ 3000 syndicalistes, euh, dirigeants paysans, défenseurs des droits de l'homme, euh, militants politiques. 3000. Et ça, euh, la Colombie, c'est le grand ami et agent des États-Unis, donc on n'en parle pas. Les Saoudiens, on n'en parle pas. Alors, prenez le Honduras, par exemple. Il y a euh, des grandes manifestations de Honduriens qui euh, fuit la pauvreté et essayent de venir aux États-Unis. Et Trump les montre du doigt, c'est un grand danger, on ne peut pas les accepter euh, dehors. Bien. La chose qu'on cache systématiquement, c'est qu'en réalité, au Honduras, il y a eu un coup d'État qui a chassé le président élu Zelaya, qui était un grand propriétaire euh, terrien, un grand propriétaire euh, de, de terres catholiques, qui avait voulu redistribuer et aider les pauvres dans son pays. Coup d'État militaire remplacé et donc maintenant au Honduras il y a des élections bidons si vous les critiquez vous allez en prison il y a des exemples et on, Trump dit euh, voilà c'est rien là c'est un danger pour les États-Unis mais non c'est vous qui avez détruit ce pays qui avez empêché les pauvres de survivre et qui avez fait un coup d'État militaire et ça non plus on n'en parle absolument jamais donc en fait quand on attaque euh, le Venezuela on cache que un, c'est pour voler sa richesse pétrolière, et deux, c'est pour tuer l'espoir en Amérique latine. Ils ont réussi une série de coups d'État, de manœuvres, euh, de changement de régime en Équateur, au Brésil, en Argentine. Pour le moment, euh, le camp de la gauche recule en Amérique latine, mais ils ont vraiment l'idée de démolir le Venezuela. Et après, ce sera la Bolivie et le Nicaragua. Et donc, c'est vraiment tuer l'espoir, en fait. Alors là, on nous dit. Euh, Maduro, c'est un dictateur, les élections, c'est une fraude, etc. Bien. Un grand euh, spécialiste là-dedans, c'est le journal Le Monde, qui, par exemple, vient de. Enfin, a déclaré au mois de mai, réélu le 20 mai à la présidence du Venezuela, à la faveur d'une élection, entre guillemets, qui n'en a que l'apparence, dit Le Monde, mais on attendra toujours la démonstration. Nicolas Maduro a ainsi beau jeu de se féliciter. Que son mouvement, le chavisme, a remporté 22 des 24 scrutins organisés depuis la prise du pouvoir par Hugo Chavez en 1999. Attention. Il a donc remporté 22 des 24 scrutins, mais c'est un dictateur. Mais alors pourquoi il n'a pas remporté les deux qui manquent hein Là, il a perdu un référendum il a perdu aussi une élection à l'Assemblée nationale. Et si c'est vraiment une dictature absolue, comment ça se fait qu'il a laissé perdre deux, deux scrutins Et le monde raconte n'importe quoi. Et en réalité, les élections au Venezuela sont hyper contrôlées. C'est un des meilleurs systèmes au monde. Il y a euh, le président G Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, qui a une ONG qui examine la validité, la fiabilité des élections. Et il a déclaré que c'était le meilleur système au monde. Pourquoi Parce qu'ils ont un vote électronique et un vote papier. Les machines sont contrôlées, on contrôle les deux, il faut que les résultats concordent, sinon on recommence. Et donc, il faut remarquer que l'élection présidentielle, les 18 partis ont tous signé, y compris l'opposition, ont tous signé les PV disant oui, l'élection est normale. N'empêche que Le Monde et autres médias maintenant, et Macron, continuent à répéter les élections ne sont pas valables. Bon, parce que le résultat ne vous plaît pas, parce que ce n'est pas votre marionnette qui a été élue. En réalité, dans cette élection, Maduro avait emporté 67% des voix et ses deux opposants euh, environ 21 et environ 11. La réalité, c'est que l'opposition de droite s'était divisée. Certains avaient obéi aux États-Unis en disant on ne va pas participer, pour pouvoir dire voilà, c'est des élections frauduleuses. Mais en réalité, cette, élection, cette opposition de droite savait qu'ils allaient perdre l'élection parce qu'ils ont commis beaucoup de violence dans la rue. Et les gens, ça au Venezuela, y compris les gens qui euh, ne sont pas pour Maduro, c'est évidemment un pays euh, comme partout, il y a une majorité et une opposition, mais personne ne soutient l'idée de faire une guerre civile comme le fait l'opposition des États-Unis. Voilà euh, un vrai problème au niveau de la façon dont les médias couvrent. Euh, les élections et mentent en disant que Chavez est un dictateur. Non, il a été élu, les procédures sont régulières, contrôlées par les observateurs internationaux. Simplement, le résultat ne vous plaît pas, alors vous demandez qu'on revote, qu'on revote. Mais euh, ça n'est pas la démocratie, ça. Maintenant, on va en venir à un point très très important la crise économique. Ce que nous disent les médias, c'est que l'économie est une catastrophe parce que Maduro a échoué. Bien. Il y a effectivement des fils, il y a effectivement des pénuries, il y a effectivement, c'est très difficile pour l'instant de vivre aussi avec l'inflation des prix au Venezuela, c'est clair. Ce que les médias ne nous disent pas, c'est pourquoi Qui a organisé ça L'économie au Venezuela, c'est une économie, à part le pétrole, qui est capitaliste, qui est dirigée par des grands monopoles, comme ici. Donc c'est eux qui gèrent l'économie, donc c'est eux qui ont échoué. Ou bien alors ils font autre chose. Et en fait, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'économie du Venezuela est sabotée par les États-Unis. Il y a une véritable guerre économique. Aïe, 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 ça y est, colons encore complotistes, ils voient le diable partout. Bien. Dans le livre que je vous ai mentionné, euh, Les 100 pires citations, j'ai trois citations qui sont très claires, où les États-Unis leurs dirigeants disent eux-mêmes oui, nous sabotons l'économie du Venezuela pour renverser euh... mais bon la première c'est pas sur le Venezuela c'est en 1970 c'est Richard Nixon qui était le président des États-Unis à l'époque et euh, Nixon réunit son cabinet réunit la CIA et il déclare ceci on a euh, un assistant qui a transcrit euh, tout simplement la conversation ça a été déclassifié que dit Nixon Allende, le président de gauche qui est candidat au présidentiel du Venezuela, il va finir par être élu, du Chili, pardon, il va finir par être élu, d'ailleurs. Allende, dit Nixon, ne peut pas devenir président. 10 millions de dollars disponibles, davantage s'il faut, un boulot temps plein, avec les meilleurs hommes que nous avons. Faites hurler l'économie. Faites hurler l'économie. Ça, c'est les directives de Nixon. Et ça va se passer... Ils vont organiser avec un syndicat de petits camionneurs contrôlés par la CIA le blocage de l'approvisionnement des aliments. Donc, toutes les ménagères, évidemment, paniquent parce qu'il n'y a plus d'aliments, il n'y a plus de lait pour les enfants, il n'y a plus de quoi chauffer la nourriture. Et ça va jouer un rôle très, très important. L'idée, c'était de retourner la population chilienne contre Ayende en disant voilà, on n'aura pas à manger tant qu'on aura ce président. Et ça a joué un rôle très important. Ce que les jeunes doivent savoir. C'est que ça a débouché au Venezuela sur une dictature militaire fasciste qui a duré très longtemps avec le général Pinochet qui a massacré énormément de gens, qui a torturé, qui a provoqué une explosion de richesse pour le 1% et les autres une très très grande pauvreté. Donc la guerre économique contre le Venezuela, c'est pas nouveau, c'est la recette Nixon et je vais vous montrer que il l'applique absolument contre le Venezuela. Ici vous avez Lawrence Eagleburger qui avait été lui ministre de Reagan et de Bush père, il est à la retraite, il est interviewé à la télé à Fox télé et on lui pose la question suivante. Attendons-nous que l'économie vénézuélienne s'effondre ou poussons-nous dans cette direction Eagleburger répond Je pense que nous devons pousser nous devons user des outils économiques pour faire en sorte que l'économie vénézuélienne aille plus mal et que l'influence du chavisme dans le pays et dans la région, donc l'Amérique latine, s'effondre. Écoutez, tout ce que nous pouvons faire pour que l'économie vénézuélienne s'enfonce dans une situation difficile est bon à prendre. C'est le sabotage, c'est le sabotage de l'économie, c'est vraiment la politique qui a été euh, faite par euh, les États-Unis, d'ailleurs, Mnouchin. Euh, le mini secrétaire au trésor de Trump a déclaré en 2017 des nouvelles sanctions pour, je cite, « étrangler le Venezuela ». Bien. Une troisième, pour vous montrer que c'est pas une déclaration isolée d'un type à la retraite. Ici, c'est Kurt Tide, un type très important. C'est l'amiral de l'US Navy. Donc il commande toute la flotte qui est chargée de faire des sales coups en Amérique latine. Et il a... C'est un document qui a fuité, qui a été... Euh, publié par une journaliste argentine que je connais bien, Stella Colony, vraiment excellente. Et dans ce document, il y a son plan. Il dit, nous, États-Unis, le moment d'agir est arrivé. Nous devons, écoutez, intensifier l'insatisfaction populaire en favorisant plus d'instabilité et de pénurie. Voilà, il le dit. La pénurie au Venezuela, c'est la conséquence de mesures organisées par les États-Unis. Nous devons organiser la fuite des capitaux étrangers. La dégringolade de la monnaie nationale en appliquant des nouvelles mesures inflationnistes. Nous devons faire obstruction à toutes les importations, démotiver les investisseurs étrangers, rendre plus critique la situation pour la population. Je dis bien, ce pas des sanctions contre Chavez ou contre Maduro, c'est des... rendre critique la, sol... la situation de la population. Nous devons avoir des alliés internes pour qu'ils génèrent des manifestations, des troubles de l'insécurité, des pillages, des vols et des attentats. Voilà, c'est un amiral curtide. Ce type devrait être évidemment au tribunal et en prison. C'est totalement euh, interdit par toutes les lois internationales et la charte de l'ONU. Il n'y a pas un mot dans le monde, dans l'Ibé, dans le soir, dans la télé, sur les saloperies de ces gens-là. Donc, la crise économique, elle vient de là. Il faut savoir que maintenant, en, au Venezuela... C'est un pays qui a toujours vécu sur le pétrole déjà avant. C'est difficile de changer ça et créer une autre économie. Résultat, 80 des aliments, des médicaments, des produits hygiéniques de base, etc., sont importés. Ce qui donne une très très grande possibilité au capital qui importe ça des États-Unis ou d'autres pays, mais surtout des États-Unis, de les stocker, de ne pas approvisionner les magasins pour créer un sentiment de panique pour Faire monter les prix et après on le revend dix fois plus cher au marché noir ou on va même l'exporter à l'étranger, etc. Donc on a découvert dans des stocks, dans des hangars secrets des grands distributeurs et capitalistes vénézuéliens des tas de produits qui n'étaient pas dans les magasins. Pourquoi c'est pas dans les médias Pourquoi on nous cache ça Bien, en fait il y a d'autres mesures qui ont été prises. Le, les banques aux États-Unis, la Citibank par exemple, a bloqué euh, des fonds des, du Venezuela qui sont aux États-Unis. La Citibank a empêché l'achat par l'État vénézuélien de 300 000 doses d'insuline pour les diabétiques et d'un chargement de médicaments contre la malaria. C'est des crimes de guerre, ces gens devraient être jugés. Voilà les sanctions qui sont euh, menées, la, le sabotage de l'économie. Et d'ailleurs, on a le rapporteur euh, de l'ONU pour le Venezuela, qui s'appelle Desayas. Il a écrit un rapport sur les conséquences des sanctions organisées par les États-Unis et il dit, je cite, Je pense que lorsque l'ampleur de la misère causée par les sanctions, comme ce fut le cas en Irak, rappelez-vous, Madeleine Holbrahe est disant Oui, ça vaut la peine de tuer 500 000 enfants irakiens pour renverser le régime en Irak euh, tuer 500 000 enfants irakiens en bloquant l'importation d'aliments, de médicaments. De pièces chirurgicales pour opérer, etc., Albright, Irak. Et donc, des ayaches continuent. L'ampleur de la misère causée par les sanctions, comme ce fut le cas en Irak ou maintenant au Venezuela, je peux dire que les sanctions contre le Venezuela sont un crime contre l'humanité dont pourra être saisie la Cour pénale internationale pour violation de l'article 7 du statut de Rome. Pourquoi ça n'est pas dans les médias français et belges Il y a aussi Euroclear l'agence de, 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 de coordination des transferts bancaires entre pays occidentaux, Euroclear, des bandits qui avaient été dénoncés par le lanceur d'alerte Denis Robert euh, à l'époque, qui bloquent 1,2 milliard de dollars de l'État vénézuélien à, euh, à Bruxelles. Donc les euh, sanctions ont fait perdre... Euh, on a calculé entre 20 et 25 milliards de dollars au Venezuela. Ce n'est pas un pays tellement riche, c'est important, c'est avec ça qu'il devait nourrir sa population. D'ailleurs, le département des, du Trésor aux États-Unis se réjouit du sabotage par, euh, par Washington de cette économie. Je cite, janvier 18, La campagne de pression contre le Venezuela porte ses fruits. Les sanctions financières que nous avons imposées... À ce pays oblige le gouvernement à être en défaut de paiement pour sa dette. Nous pouvons assister à un effondrement économique total du Venezuela. Donc notre politique fonctionne, notre stratégie fonctionne et nous la maintiendrons. Voilà des choses qui sont totalement absentes. En fait, le, le sabotage de l'économie du Venezuela, c'est un crime de guerre. C'est vraiment, euh, c'est un crime. C'est une forme de guerre. D'ailleurs, je voudrais lancer un appel en tant qu'éditeur d'InvestiAction. Je pense que les sanctions économiques contre un pays, le boycott, les blocus, etc., c'est fort sous-estimé. On ne se rend pas compte que ça massacre la population et que c'est une arme de guerre, une arme de chantage pour soumettre un gouvernement, le mettre à genoux. Il faudrait que quelqu'un se charge d'écrire un livre qu'Investi Action pourrait publier sur les sanctions comme crimes de guerre, comme violation du droit international. Elles ont été appliquées contre Cuba, contre l'Irak, contre une série d'autres pays. Il faudrait rassembler tout ça et montrer que, voilà, c'est criminel. Je vous ai dit qu'on allait analyser M. Guaido, là, la, nouvelle, la nouvelle marionnette que montrent tous les médias occidentaux. Et on nous dit « Voilà, lui, il va rétablir la démocratie ». Il faut savoir que Guaido, c'est un type très violent. C'est un type qui a participé aux manifestations très violentes de l'opposition en 27, euh, en, en 2007 notamment, et en 2014. Il y a eu des manifestations très très violentes. Euh, ils ont attaqué des hôpitaux, ils ont incendié le ministère du Logement, ils ont assassiné des militants chavistes isolés, ils ont attaqué des artistes, ils ont brûlé des afro-vénézuéliens, ils ont sorti des chauffeurs de bus de leur bus, ils ont mis le feu. Il y a vraiment énormément de crimes. Il y a un général à la retraite vénézuélien qui a été arrêté parce qu'il avait tweeté comment il fallait, entre deux poteaux électriques, placer un fil de fer pour décapiter les motards qui passaient. Donc c'est une opposition extrêmement violente. Et Guaido a participé avec son parti, Voluntad Popula. Vous voyez, on nous présente Guaido là comme un homme qui tombe du ciel. Il n'a pas de passé. Il est juste très jeune. Il est beau. Il est sympa. Et les euh, mamans l'embrassent. Et on nous cache son passé. C'est toujours ça le, le non dit. Guaido, c'est un type qui a travaillé avec euh, vraiment les opposants les plus violents, euh, des gens qui ont fait le coup d'État militaire contre Chavez en 2002, comme Leopoldo Lopez, dont la famille a été reçue euh, à bras ouverts par Macron à, à l'Élysée, donc Macron qui accueille des fascistes en fait. Et euh, Guaido a participé à toute une série de choses euh, violentes. — Contre... Contre... Oui. Alors Guaido, c'est intéressant. Je vais reprendre un petit peu ma documentation. En fait, Guaido, c'est un produit des États-Unis. Il est maintenant présenté comme un homme qui tombe de nulle part. Mais c'est pas vrai. Il a en fait eu une formation aux États-Unis. Euh, il a suivi des séminaires. Et ça, il n'est pas très connu on nous dit toute l'opposition manifeste pour, mais le principal institut de tout le pays manifeste pour, mais le principal institut de sondage disait qu'il y avait à peine 20% de la population qui le connaissait. et donc, en fait, ce qu'on attend de guaido, ce n'est pas qu'il aille résoudre les problèmes du venezuela, c'est pas ça, le but des états-unis, c'est qu'il aide à renverser et à, à maduro et à envahir le pays militairement. c'est ça, il est là pour... Euh, Foutre le, le bordel en réalité. Alors sur la biographie de Guaido, je regarde mes petites notes. Il a euh, été à Washington, DC, pour travailler avec euh, le Fonds monétaire international, avec Milton Friedman et les Chicago Boys. Son, ça c'est son copain Yongoiko Chea. Ce type a reçu 500 000 dollars de primes de Milton Friedman. Et Friedman, c'est un... C'est un institut des pires économistes néolibéraux. Et c'est eux, justement, qui ont guidé et inspiré Pinochet et ses réformes néolibérales au Chili. Donc, Guaido, il travaille avec ça. Il travaille avec les amis de Pinochet. Et euh, il a participé à des actions très violentes en 2014. Ce n'est pas du tout un petit démocrate bien propre sur et bien gentil. En fait, l'histoire du sabotage économique. Euh, il faut vraiment rappeler euh, l'histoire du Chili, ceux de ma génération ont vécu ça, sinon interrogez vos parents, vos grands-parents. Vous avez ici euh, des images qui vous montrent euh, à gauche en noir et blanc, le Chili en 1970, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de pain, Grave difficulté pour obtenir le pain. Voilà ça c'est les années euh, 70, la déstabilisation du Venezuela. Et maintenant vous avez la même chose aujourd'hui en couleur, la guerre pour le pain au Venezuela, il n'y a pas de jambon, il n'y a pas de papier hygiénique, etc. Donc tout ça, c'est la même chose que l'agression qui a été faite contre le Venezuela. Et je vous montre un petit bloc de Romain Migus, M-I-G-U-S, excellent, euh, qui fait de très bonnes infos sur le Venezuela. C'est un jeune français qui a vécu là-bas, il vient de revenir en France, mais il suit très très bien l'actualité. Et donc il a fait notamment le blocus contre le Venezuela pour les nuls. Il vous explique très concrètement, le Venezuela ne peut plus utiliser le dollar, les banques refusent tout euh, échange et les médias n'en parlent pas. Donc c'est normal avec un tel sabotage économique que l'économie ne fonctionne pas bien. Euh, voilà donc euh, Guaido, voilà donc le blocus économique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de nous préparer des affrontements violents qui vont servir à des images pour justifier une intervention, peut-être militaire, euh, des États-Unis ou par la Colombie, soi-disant pour sauver le peuple du Venezuela. En réalité, il faut savoir que les incidents, ça se provoque et ça s'achète. Il y a des documents qui ont fuité, qui ont montré que si vous provoquez dans un quartier populaire très calme du Caracas ou ailleurs, des incidents, vous pouvez être payé 30 dollars pour une nuit. Des groupes armés, des milices, peuvent être payés 50 000 dollars par les États-Unis et leurs agents pour provoquer des incidents graves dans un quartier, obliger la police à réprimer. Et à ce moment-là, la stratégie, ça va être de montrer ce que fait la police et d évidemment de cacher ce qui a été avant. Il y a une journaliste, vous allez trouver ça dans les articles sur Investigation. Ou chez Romain Migus ou dans le très bon site de Thierry Deron Venezuela Info qui est qui est à Caracas vous allez trouver des indications des journalistes qui sont appelés pour couvrir les manifestations de l'opposition et ces gens leur disent ne montrez pas ce que nous on fait montrez uniquement quand la police riposte donc on est dans la manipulation des images et ça il faut le savoir ça va continuer regardez cette photo spectaculaire et très belle de d'une manifestation, d'un manifestant au euh, Venezuela. Il a euh, obtenu, le photographe qui a fait ça, a obtenu euh, le prix euh, de la photo de l'année euh, par euh, le World Press Photo de l'année 2018 pour cette photo très spectaculaire. Alors là, vous dites, ça y est, encore un manifestant euh, qui est incendié, peut-être il va mourir par la police de Maduro. Ben non. La photo a été diffusée largement. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le mec qui a fait ça, en réalité, il a euh, lancé un cocktail Molotov pour faire sauter euh, des. Euh, incendier des motos et des combis de la police. Donc c'est un type violent lui-même et euh, il a été maladroit et il s'est enflammé lui-même avec son cocktail Molotov. Ça, c'est complètement caché. Et on va vous dire, regardez Maduro qui euh, massacre les civils. Et ça, ça va se passer. On va euh, avoir des images qui vont pousser les gens à dire, ah oui, il faut faire quelque chose. Le grand truc maintenant, ce sont les images qu'on va nous sortir sur les couloirs humanitaires. Guaido a dit, il y a la crise, il y a la pénurie au Venezuela. Ça, c'est vrai. Donc, États-Unis, aidez-nous, envoyez-nous des colis humanitaires. Alors dans le journal Le Soir, qui est un peu l'équivalent du monde en Belgique, on avait là hier cette magnifique photo où on voit euh, l'aide humanitaire américaine. Euh, les premiers camions sont arrivés à Cucuta en Colombie et on vous montre US Aid et euh, des produits alimentaires de base pour euh, aider les Vénézuéliens. Ça c'est bidon. Les couloirs humanitaires, ils ont déjà fait le coup en Libye, ils ont déjà fait le coup en Syrie. L'aide que Trump a promise au, au Venezuela, c'est une aide de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Je m'excuse, mais pour un pays de 25 millions d'habitants, c'est juste un. des peanuts, c'est juste symbolique. Euh, ça permet d'acheter 800 000 caisses de nourriture, mais. Euh, le, par mois, le gouvernement Maduro, il dépense 6 millions pour justement apporter de la nourriture aux gens. Donc euh, c'est n'importe quoi. Et en fait, je disais, le Venezuela a perdu à cause du sabotage par Obama et par Trump 23 milliards de dollars. Donc il suffit de lâcher le blocus et le les Venezuela n'a plus ses problèmes économiques. Et donc on va nous faire le coup des couloirs humanitaires. Il faut aider la population. Les États-Unis n'ont aucune arrière-pensée. Ils viennent juste aider la population. Ne marchez pas là-dedans. Expliquez autour de vous. On a maintenant le, votre ministre français là, Jean-Yves Le Drian, qui veut au Venezuela pratiquer la même politique d'ingérence qui a été pratiquée en Libye, en Syrie. Est-ce que les résultats sont tellement magnifiques Est-ce que c'est vraiment ça qu'on va continuer Est-ce que vous n'avez pas plutôt à vous occuper de la pauvreté en France et de l'injustice plutôt que de prétendre aider les pauvres Vénézuéliens Le Drian et Macron, ce sont des menteurs, ce sont juste des, des paillassons de, de Trump. Bien. Euh, on va nous montrer des images pour essayer de nous faire manipuler. Et il y a beaucoup de mise en scène. Regardez cette image-ci, par exemple. Vous voyez, euh, dans vos journaux ou à la télé, qu'est-ce qu'on va faire On va juste présenter ces deux types-là. On va faire croire qu'il y a beaucoup de gens. On va faire un close-up. Mais c'est tout de la mise en scène. Il faut pas marcher dans les images qu'on nous présente. Il faut tout le temps se demander qu'est-ce que ça nous cache. L'affaire du Venezuela, c'est très important. Ce qui se joue dans ce pays, c'est l'avenir de l'humanité. Ce que Trump, Macron et compagnie veulent, c'est continuer la colonisation de l'Amérique latine, continuer le vol du pétrole, du gaz, des matières premières, de la biodiversité, pour enrichir les firmes françaises, Bolloré, Areva, Total, pour enrichir le 1% français. Et Trump, c'est pareil. Et donc, on a, à propos du Venezuela, d'un côté, les États-Unis. L'Europe qui suit, c'est vraiment la domestique, Israël et quelques régimes d'extrême droite d'Amérique de, latine que les États-Unis ont réussi à mettre en place maintenant. En face, on a des pays très divers qui ne sont pas tous euh, adorables, mais on a la Russie, on a la Chine, on a l'Inde, on a le Mexique, le nouveau président mexicain, on a toute l'Union africaine qui refuse le coup d'État medignoussé contre le Venezuela, et donc l'enjeu de cette affaire c'est est ce qu'on va continuer à coloniser est ce qu'on va continuer à piller et ça ça nous concerne en france et en belgique parce que si on continue à coloniser à piller ça veut dire que trump aux états unis macron en france et compagnie ils contrôlent un flux de main d'œuvre on va importer de la main d'œuvre on va continuer à utiliser ça pour faire baisser les salaires pour faire baisser les conditions de travail et donc on va ruiner les pays du Sud et appauvrir les travailleurs dans les pays du Nord. Donc ça nous concerne vraiment de bloquer cette guerre coloniale contre le Venezuela. Et bien entendu, Macron, dans sa servilité à l'égard de Trump, il a besoin de l'OTAN. Il y a une révolte de plus en plus forte en France. Il a besoin, au final, de la répression, de l'armée et peut-être un jour de l'OTAN pour empêcher ça. Ce qui est désolant, pour se, se protéger de la colère. Ce qui est désolant, c'est que l'union européenne suit comme un petit caniche la politique des états-unis et là l'ancien euh, premier ministre espagnol zapatero a déclaré vendredi que la position des états-unis euh, de, de, quelques mois que la position des états-unis et de européenne de désapprouver les élections présidentielles au venezuela avant même qu'elles aient lieu est une absurdité. il a dit que des positions si importantes soient prises avec si peu d'éléments de jugement me fait peur. Le Venezuela n'est pas raisonnable. L'Union européenne n'est pas raisonnable envers le Venezuela. Elle doit redevenir une puissance régionale qui donne la priorité au dialogue et à la paix. Et il a donné un exemple. Il est très facile de discuter avec Cuba. On peut discuter avec le Venezuela, mais il ne faut pas les menacer et essayer de les renverser. Je disais... C'est l'avenir de l'humanité. Les USA sont aujourd'hui le plus grand danger, la plus grande menace. Ils maintiennent le pouvoir de leur multinationale par la violence. Ils sont prêts à tout. Euh, vous voyez ce qu'ils ont fait au Yémen avec les Saouds, vous voyez les Saouds, vous voyez Israël. Et donc, pour combattre ça, on a vraiment besoin de, de votre travail. C'est-à-dire, interroger vos médias et demandez-leur gentiment pourquoi vous ne dites rien sur la guerre économique des États-Unis contre le Venezuela. Pourquoi vous ne citez pas Bolton, Hegelberger, l'amiral, etc. Pourquoi vous ne dites pas que l'économie est sabotée euh, Interrogez aussi, puisqu'on va avoir des élections européennes, les candidats de votre pays. Est-ce que vous allez continuer à soutenir, est-ce que vous allez soutenir les ingérences de Macron, de Trump, contre le Venezuela et contre d'autres pays, ou est-ce que vous allez vous engager à défendre une politique de respect du droit international, c'est-à-dire la souveraineté des pays, ce sont les peuples de chaque pays qui décident. Qui ils veulent comme dirigeants, quelles politiques ils veulent suivre, et s'ils sont d'accord de donner leurs ressources gratuitement aux États-Unis et à la France, ou s'ils veulent les utiliser pour leurs propres intérêts, pour sortir de la pauvreté. Ça, c'est, je crois, des, des questions très importantes à poser à vos médias et à vos candidats politiques. De cette façon-là, je crois que vous avez vraiment une chance d'aider le peuple vénézuélien à décider de son avenir. Je compte sur vous. Euh, nous avons besoin vraiment euh, en tant qu'investigation de votre soutien. J'ai vu la, la couverture mais il n'y avait pas le son. Je disais donc que c'était un livre. Pour vous aider à justement réfuter les accusations de complotisme et montrer sur base de leurs propres documents ce que font les, les États-Unis. Voilà, on n'aura pas d'émission mardi prochain puisque je suis à Genève. Le 19 février, mais suivez tout ça avec notre newsletter nous allons analyser pourquoi certaines ONG internationales prestigieuses travaillent avec les multinationales, travaillent avec des dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, etc. Pourquoi les dirigeants de certaines ONG se sont récemment alliés en Belgique, mais c'est une nouvelle tendance, ça va venir un peu partout, avec des grandes multinationales Est-ce que c'est possible de sauver le climat avec des multinationales qui en réalité sont en train de détruire le climat Ou est-ce qu'il faut quelque chose de plus indépendant, de plus citoyen, avec des solutions beaucoup plus radicales contre le système. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Merci de diffuser cette émission. Vous pouvez euh, trouver nos livres sur notre site InvestiAction. Ça nous aidera à financer nos jeunes journalistes et la maison d'édition avec de nouveaux projets. Je vous euh, remercie. Euh, voilà, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour votre intérêt. Et comme euh, je le dis toujours, si on veut empêcher la guerre, si on veut empêcher les agressions, la première bataille, c'est l'information. Et pour ça, nous sommes tous des journalistes. Merci à vous.